l'Esprit de Dieu me dit de parler même à vous qui êtes des serviteurs et des servantes de Dieu dans les églises. Tu mènes une vie de péché et votre département ne fonctionne pas bien à cause de toi. Votre église n'avance pas à cause de toi. Mais tant qu'il n'y a pas une prophétie claire, tu ne peux pas dire. Hypocrisie, hypocrisie. Tu sers Dieu dans le péché, tu chantes dans le péché, tu fais des choses pour Dieu dans le péché, tu es dans le péché et tu sais que c'est toi qui amène la défaite, mais tant que le pasteur n'a pas vu, tant qu'on ne t'a pas attrapé en flagrant délit, tu continues à te comporter comme un saint. Hypocrisie. Tant que ta femme ne t'a pas attrapé, tu continues à mentir. Tu viens d'où? Je viens du sport. Tu viens d'où? J'étais avec des amis. Tu viens d'où? Je viens de là. Tu viens d'où? Je viens de là. Jusqu'à ce qu'elle va t'attraper dans un hôtel. Ça, c'est qui? Chérie, pardonne-moi. Jusqu'à ce que tu attrapes une grossesse et quand tu vas reconnaître que l'ami là n'était pas un ami. Jusqu'à ce que tu attrapes le sida et que tu commences à être rongé par la maladie, c'est quand que tu vas reconnaître que je vivais dans la prostitution. Hypocrisie. Si on ne t'attrape pas, si on ne te désigne pas, toujours tu t'échappes. Des champions en mensonge, ils s'échappent toujours. Ils sont comme des chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Tu trompes ton mari, mais il ne le sait pas. Tellement qu'il a confiance en toi. Tu sors et tu reviens. Et quand il te pose des questions, tu le maîtrises tellement, tu le contrôles tellement que tu sais quoi lui dire et personne ne t'attrape. Jusqu'à ce qu'il aura une vision claire de là où tu viens. Et une jalousie peut l'attraper et il te tue. L'homme qui est là, qui est-il? Derrière ce masque de sainteté que je vois, qui est l'homme caché derrière ce masque de sainteté? Qui est cette femme réelle qui est cachée derrière ce masque de spiritualité? Car il est possible de parler en d'autres langues et d'être dans l'impudicité. Il est possible de parler en d'autres langues et d'être orgueilleux. Il est possible de parler en d'autres langues et de se retrouver dans des compromissions. Qui est l'homme véritable qui est là? Même quand tu es un serviteur de Dieu, fais très attention. Il est possible de se tenir ici et de dire des choses au peuple de Dieu, mais toi-même, tu ne les vis pas. C'est pourquoi, sachez ceci, vous qui servez Dieu, faites-en très attention, car il est possible de présenter le chemin sans être dans le chemin.